Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je suis toujours en compagnie de Stags. Ça va? Ah là, t'es plus heureux quand même, hein? Ouais, enfin, tu viens de me le demander aussi. Et donc, nous, ça fait une journée vient de passer, enfin, une journée, il faut le dire. Hein. Si, ça fait 24 heures, je crois. Ouais, 24 heures, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, on se retrouve pour un deuxième soir, on est samedi soir, là, exactement, pour le deuxième jour de la... le deuxième jour de la bêta fermée de Wildstar. Alors il faut savoir que juste à la fin de la dernière vidéo, j'avais dit que je le préco, donc je l'ai précommandé. Et donc j'ai un mois gratuit et je l'aurai le 3 juin. Tout à fait. Normalement, avec tout un tas de bonus et tout, comme ça on pourra pouvoir et faire en plus, la base de vidéo. Et en plus, accès au week-end bêta en attendant, sans avoir voilà, à t'embêter à chercher un... Exactement, j'aurais pas besoin de m'embêter à chercher des clés et quel carré étrange sur le sol. Et ouais, bienvenue chez les médics. Voilà, donc là, ce ne sont que des joueurs. Bon, évidemment, cette zone rame un tout petit peu. Bon, là, évidemment, vu qu'on filme en 35 FPS, il devrait pas y avoir de problème. Non. Voilà, il faut savoir que oui, ça pompe pas mal de ressources et il est pas, comme on l'a dit hier, enfin, dans les précédentes vidéos, voilà, il est pas, il est pas super optimisé. Donc, même si vous avez une grosse config... Il est possible que vous c'est un MMO. Voilà, c'est un MMORPG. Même moi, je vous le dis, je joue à Neverwinter. En ville, c'est une catastrophe. 30 FPS, 25 FPS. Enfin, pour moi, c'est juste une horreur, tu vois. Pour lui, parce que moi, en ville, j'ai ça, je suis heureux. Oui, oui, ouais. C'est ce que j'ai moi quand il y a personne autour de moi. Voilà, mais moi, tu vois, c'est pas. Voilà, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs. Effectivement. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on était atterri sur la nouvelle zone. Tout à fait. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Tremor Rage. Alors, j'ai fait une petite visite avant de filmer, c'était ce matin. J'ai fait une petite visite, je suis allé un petit peu découvrir la zone. Franchement, il y a des trucs vraiment géniaux. Eh ben, ne spoil pas, puisque moi je l'ai pas vu. Ne spoil pas, enfin, moi je kiffe, vous allez voir, c'est ça. Bon, je vous dis juste, c'est un peu comme une vallée, de toute façon, hein. Il y a des montagnes autour, si ça descend, ça ne peut qu'être une vallée, de toute façon. Et donc, on va quitter, on va essayer de vous montrer des nouveautés, peut-être, si on arrive à faire un duel, ce serait cool. Là, je pense qu'on arrivera à choper un mec. Hein. Oui. Et en plus de ça, Stax nous a ramené sa souris Riser avec les boutons sur les côtés, donc plus besoin de se faire chier avec les touches. Pour si, le coup. À partir de la sixième technique, tu vas en avoir besoin. Ouais. Mais bon, pour l'instant, pas besoin. Donc là, je ramasse. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans The Settlers et qu'on ramasse pour augmenter notre compétence. Alors, sans faire exprès, par contre, j'ai complété quelques quêtes en jouant. Mais c'est mal. Deux petites quêtes minuscules. C'est mal quand même. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en passant, j'ai vu un mec qui construisait une baraque. J'étais là, what the fuck, il y avait un truc qui faisait. Eh ben, c'est ça que nous, on va faire. Et enfin, je vais essayer d'aller te montrer, c'est juste là-bas. Enfin, je vous montre avec mon doigt, mais c'est juste à côté là, il suffit de descendre, vous allez voir. Il y avait un mec qui construisait, donc qu'est-ce que je fais? Je lui parle à lui, je finis la quête. Oui. Settlers Building. Ah, voilà, en fait, c'est une quête. Keep up the good work. Donc, notre but là, ça va être de construire des structures. Bon, on va descendre, hein, on va pas attendre plus longtemps. Je suis pas sûr que ce soit ton but. Bon, là, c'est toujours un petit peu bugué là. Parce que si tu regardes tes quêtes, t'as pas cette quête. Ouais. Bah si, c'est pas ça, non? C'est ça, non? Tremor, non? Ça, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vraiment étudié. Bah justement, ça va être l'occasion de le voir. Fais-les dans l'ordre, écoute. Hein, pour pas te... Bah je vais aller, on va aller killer des mecs d'abord, on va pas se faire chier. Bon, évidemment, je vous disais, il y a deux secondes, c'est... Voilà, c'est un tout petit peu bugué. Il a une quête, le mec qui est là-haut, qui flotte, c'est ça? Celui-là, à gauche, juste au-dessus de toi. Tu peux pas le voir parce qu'il est juste au-dessus de toi. Non, c'est lui, si, c'est ça, voilà. Lui, là, il y a une quête pour toi. Et tu peux pas lui parler puisqu'il flotte. Ouais, il flotte, c'est légèrement bugué, vous voyez. Faudrait que tu déconnectes, reconnectes, je pense. Bah ouais, mais lui, le mec, il a les pieds enfoncés dans le sol. Tu veux qu'on essaie de. Non, on le fait pas maintenant, on le fera après. Non, vas-y, fais d'autres quêtes, vas-y. Du coup, je vais prendre ça. Parce que ça, c'est un bonus aussi. Un autre Settlers est passé par là, donc ça me met de la physical resistance. Bon, il y a des charrettes avec du. Ok, si c'est cool ça. Ah bon, bien sûr, on va tout récupérer. Ah non, ça, je suppose que c'est ça. Quoi? Ah ouais, trop bien le dash en arrière. Ouais, ça d'ailleurs, faudra qu'on pense à régler des touches pour les dash. Ouais. Effectivement, donc là, je récupère tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Building. Builder. Gemma. Gemma. You found. J'ai pas lu, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Moi non plus. Tu fais L et tu regardes. L. Quest log. Ah d'accord, elle c'est le quest log. Tu cliques sur path.
Sur path, path, path. C'est juste ici. Oh putain, on a beaucoup de quêtes en fait. Oui, on a beaucoup de quêtes de Settler, mais ça va être l'occasion de les réaliser d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, la liste en bas à droite, c'est ça. Voilà, c'est les ce quêtes. Ce qu'on regardait depuis tout à l'heure quand on comprenait pas lequel c'était, bah si. C'est tout. Bah, en fait, c'est les quêtes de. C'est les quêtes pour la vocation. Ouais. Bah, ouais. Et donc, on est niveau 3 en vocation. On va bientôt passer niveau 4, il nous faut 270 d'XP. Exactement. Et du coup. Il faut choper, il faut construire. Il faut construire des trucs, quoi. Mais le truc, c'est juste avec cette caisse, je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Tu les fais dans l'ordre. Y a pas un tutoriel. Oui, que je veux les tutoriels. Non, ça c'est juste qu'il y en a d'autres qui vont arriver, en fait. D'accord. Si t'as pas encore tous les coups. Mais ce que tu fais dans ce cas, c'est juste que tu les fais les unes après les autres, tu tomberas bien sur la bonne. Ah, buy, sell. Attends. Ah non, c'était le marchand, d'accord, oui. Oh putain, il a la classe, le gros moustachu. Non, t'es pas fou. Mais j'en sais rien. Attends. Ouais, bon, alors lui, il est enfoncé dans le sol, faut pas chercher, hein. Ah, bah attendez, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est un feu, ça me soigne. C'est l'effet des camps que tu pourras construire. Ah, c'est... Oh putain, il a la classe, lui. Non, niveau 7. Vous voyez déjà que même à bas level, on a déjà la classe, hein, il faut le dire. Ouais. Déjà des... Vraiment des personnalisations assez poussées. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que je dois faire de ce truc. Non, mais je t'en fous. Fais abstraction, fais le reste et tu verras si c'est encore là. Parce qu'il y a bien un moment où je vais l'utiliser en faisant ce que tu as disponible au niveau des quêtes. Peut-être. Merde, j'ai bougé. J'appuie sur la touche. Ça active le dash. Bon, là, vous voyez, ça rame un tout petit peu. Enfin, moi, on le voit en jeu. Ouais. Mais sur la vidéo, ça se voit pas puisque c'est... Ça filme plus bas, donc ça ne se voit pas. Donc là, j'active des... Ah, mais c'est des lanternes, d'accord. Ok, j'active des lanternes. Bon, c'est une zone, je sais pas ce que c'est. Medical, Receive Performance, Enchancer. Ah, alors, je sais pas ce que j'ai pris. Qu'est-ce que ça fait, ça? Increase Critical by 20%. Les dégâts des coups critiques. Oh, ouais, c'est bien quand même, hein. Sauf que t'as 5% de chance de coups critiques. Ouais, bon, si jamais on en fait, hein, ça peut le faire. Du coup, lui aussi, il est complètement buggé, mais il a la classe avec ses petites lunettes et son petit... C'est un explorateur, lui. Ah, c'est un explorateur, on dirait un aviateur, un petit peu. Ah, qu'est-ce donc? C'est une bonne question. Je crois qu'il va y avoir genre des hauts faits liés à tout ça. Enfin, des succès, je sais pas. Probablement. Et du coup, vous voyez, on a trouvé un élevage de bouc. On va appeler ça des mooses. Non, des... c'est pas vrai, c'est voilà. Quelque chose. des bestioles, et du coup, on peut les tuer. C'est pas gentil. Attends, on s'en fout, hein. Ils ont mérité leur sort. Ouais, ils avaient qu'à pas être nés dans un champ. Donc on vous fait un petit point de vue juste sur notre perso. Vous voyez, c'est Pink ou Pony. Pony rose en japonais. Il a trop pris le soleil. Ah, bah j'aime bien, moi, ça fait... c'est lumineux pour une fois. Et en plus, vous voyez, son stuff... Ça fait un peu stuff de femme de ménage. Enfin, c'est absolument pas méchant, mais on dirait les boots... ça fait boots, genre... Je travaille dans l'eau, quoi, hein, je marche dans la flotte. Ça fait des... Oui ça... et non, hein. Non, mais je sais pas, c'est marrant. C'est marrant, ça fait pas vraiment armure, ça fait plus... Oui, c'est puisque t'es sur de l'armure moyenne. Donc, ça ouais. Fait plus être des choses... Ouais, c'est ça. Légères, c'est sans doute. Ah. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Alors, j'ai trouvé. Tout à fait. Project Tremor Marketplace. Ah, bah voilà, c'est ça dont je te parlais. Ça, tout à l'heure, c'était en construction. Ce que vous voyez devant, c'était en construction, là. Ce qu'il y a juste devant, là. Ça, tout à l'heure, ça y était pas. D'accord. Du coup, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Déjà, il y a un truc. Mais tu sais, quand je sais pas ce que tu dois faire dans le jeu, tu cliques sur... Ouais. Non, mais je voulais dire, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette caisse, là. Ah. Mais voilà, donc ça c'est nouveau ça, ça y était pas. La caisse c'était 1 sur 5, c'est la troisième quête dans ton truc à droite. Ah bah voilà, tiens j'ai une quête. Ah ça va me faire de la réputation. Dominion Incursion. Ah mais c'est marrant, ça c'est en plus c'est ouais, vraiment ça y était pas, ce matin c'était en construction ce truc. Et visiblement ça a pas l'air d'être fait par un joueur. Ouais, c'est ça qui est abusé. Donc c'est un peu un environnement qui a l'air de se développer de lui-même. Mais c'est peut-être des marchands ambulants, hein. Ça me semblerait pas complètement impossible qu'ils se déplacent. Parce que regarde, c'est une structure pas très... Enfin tu vois, c'est juste du bois comme ça, ça à mon avis ça se vire, hein. Après faut savoir que toute ville commence à un moment. Et si ça se trouve, ça c'est le début d'une ville, hein. Ah peut-être, pourquoi pas. T'imagines des villes qui se posent comme ça progressivement.
Ouais, progressivement, ou alors qui. Faut que tu ramènes la fille. Qui. Enfin. Et qui disparaissent au bout d'un moment, enfin, tu sais, qui sont détruites ou. Oui, voilà. Ça, ce serait bien. Ah, ce serait. Équilibre comme ils vont faire dans EverQuest Next. Ouais. Et bah, ça, ce serait génial, effectivement. Ah, bah, tiens, je dois aller en faire les 5. Ok, maintenant, je sais ce que je dois faire. Oui. Bah, on va descendre un petit peu dans la vallée. Donc, vous voyez, c'est une espèce de vallée très étrange avec des plateformes volantes du minerai. Donc, j'espère qu'il y aura des grottes set fire. Des cristaux explosés. Des cristaux. Report. Attendez, ça. Ah bon, ça on y retournera après, on va aller un petit peu d'abord fighter du... Allez, on va aller fighter... Qu'est-ce que je dois aller où là? Ah, il y a des moutons sauvages. Ah! Ouais, bon alors là par contre... Attendez, il m'emmène où? Kill the Marauder. Ça doit être en haut. Déjà je vois des mecs là-bas, des ingénieurs et tout. Alors attendez, déjà on va leur montrer, c'est hyper drôle. Donc vous voyez, c'est une magnifique vallée pleine de rochers de tout type. Mais, petite particularité, nous avons des rochers vivants. Eh oui, ça c'est la particularité de ces bestioles. Donc voilà, là j'essaie de m'habituer au... Oups. J'ai encore appuyé sur le côté. Donc j'essaie de... Ouah. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est hyper chaud de gérer à la... Ah! Ah, qu'est-ce qui se passe? On peut le faire au clavier, hein, si vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais... Mais... J'essaie de cliquer. Putain, je vais crever. X, X. Nous sommes morts. Trop tard. C'est toi qui as eu la première mort. Ben, je suis mort. Ah, je peux payer pour atterrir ici. Non, on va pas faire ça. Oh, bah en plus, voilà, ça m'a fait avancer. Je suis mort là-bas, au final. Ok, d'accord. J'ai pas l'impression que ça m'ait fait perdre de l'XP. Non, non, ça va pas te faire perdre de l'XP, c'est, ah, c'est pas cool. Un jeu qui te fait ça. Mais en fait, je me suis fait déboîter. Mais en fait, ce matin, j'ai l'impression qu'ils étaient buggés. Parce que je les ai démontés, en fait. Oui, mais là, c'est puisque t'as pas réussi à utiliser tes compétences, je t'ai dit... Bah ouais, avec la souris, c'est chaud. Faut que tu fasses 4, 2, 1... Tu sais où est le 1. Mais mince, mais je clique. En fait, c'est la... Vu que ça la souris... Il fait vraiment mal. En fait, j'ai vraiment du mal à la... Tu sais que tu peux toujours le faire avec le clavier. Hein. Ouais, 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 c'est ce que je vais faire. C'est vrai... Mince. Putain, mais c'est vraiment dur, hein. Mais en fait, il me débombe. Mais... Ah. Tu sais que tu as des potions sur Alt 1 et X. T'es pas tout ça, faut que tu t'assoies, mais X. Putain, en fait, je me fais défoncer. Mais c'est abusé, hein. T'attends le contrôle. Pas juste la souris, je te le prie. Vas-y, vas-y. Juste la soirée. Alors en fait là je me fais démonter, bah pour une fois vous m'aurez vu crever. Vous m'aurez vu crever. Mais du coup Loupé. La marque pour moi. Non ça je vais le faire, t'inquiète. Vas-y j'avance. Non avance pas, je peux le faire. Ah comment tu fais? Je garde les doubles clics. D'accord. Fais un dodge vers l'arrière. Non. Ah ouais, on peut jouer à deux. Mais c'est abusé, en fait, ils sont vraiment excellents. En fait, ce matin, j'ai l'impression que je suis tombé sur un buggé. Hein. Vraiment, je suis tombé sur une bestiole comme ça, buggée. Parce qu'elle m'attaquait pas, en fait. Et je viens encore de... Tu vois, le problème, c'est que la souris part sur le côté. Ça, c'est un petit peu contraignant. Comment ça, la souris part sur le côté? Bah, ça part sur le deuxième écran, en fait. Ah oui. Eh oui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Dominion Incursion, on va voir ce qu'on doit faire. Ah bah tiens déjà, attendez, il y a plein de trucs à récupérer. On va choper ça d'abord. Ah d'accord, je peux construire des défenses. Intéressant ça. Ah génial, ça fait des petits murs. Des petits murets. Des petits murets. Donc là je suppose qu'on va faire un petit camp. Il y a un campfire. Super. Barricade. Super. J'aime bien sa brouette au type. Là ça me fait rire. Talk to Miner Hydro. Ah, attends, je vais d'abord récupérer tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, j'ai dit. Ah, je peux réparer. The mining bot is operational, but its unit programming scientists use their scan bot to restore its basic. D'accord, il a besoin d'un magot, je crois, non? J'en sais rien, j'ai pas lu. Je crois que c'est ça.
Je crois qu'il te faut un scientifique surtout pour le réparer. Oui, voilà, un scientifique. Ah oui, non, c'est, un... c'est une vocation. Une autre vocation. En fait, ça veut dire que t'as des trucs qui se passent entre plusieurs vocations. Par exemple, tu vas toi le réparer et de l'autre côté, t'as l'autre qui va aller vraiment le finir. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu donnes les composants qu'il faut et l'autre travaille avec. Ah ouais. Ce qui veut dire que pour jouer en groupe, ouais. Il n'y a pas de désavantage à pas jouer tout le monde la même vocation. Au contraire, ça fait que non seulement vous pouvez partager les différentes quêtes qui sont uniques à la vocation normalement, ouais. Mais en plus de ça, vous avez différents combos à faire avec les vocations. Ça, c'est bien, ça. Certains objectifs qui sont un peu éparpillés, voilà. Ça, c'est bien parce que ça, ouais, ça permet de... d'être complémentaire, quoi. Donc, ouais. On va essayer de défoncer ce truc avec... Putain, il a beaucoup de vie, hein. Ah ouais, d'accord, one shot. Ah ouais, d'accord, l'ingénieur a l'air d'être vraiment puissant. Hein. C'est vraiment... ouais. On va essayer d'aller en choper un. On va aller dans cette zone-là. Tu étais sûr que ça te sert de tuer ces mecs, mais j'ai pas l'impression. Bah en fait, je crois que j'ai déjà fait la quête. Justement. C'est possible. Ah oui. Oui. J'ai déjà fait la quête. Donc, technical difficulties. I destroy this equipment. Faut que tu pètes, faut que tu pètes. T'es sûr? Ah bah, il s'est pété tout seul. D'accord, c'est cool. Ah bah j'ai, d'accord, en plus j'ai buté le mec qui était à côté. Ouais. Tant mieux ça. Ah bah y'a un truc à spawn ici du coup. Des minéraux. Des minéraux, tu peux. Minéraux, ouais. Ouais, c'est pareil. Eh ouais, vous voyez, c'est assez puissant ces bestioles. Donc je pense qu'on va, on va continuer dans cette zone là-bas parce que... tu voudrais pas aller rendre tes quêtes d'abord? Ouais. Parce qu'en fait, ça doit faire une longue trotte pour venir. Ouais, t'as raison, t'as tout à fait raison. Mais après, on ira explorer un peu plus la zone. Bah tiens, vas-y, t'entends, décale-toi un tout petit peu encore. Comme droite ça, tu seras... ou gauche? Gauche. Ta gauche. Ta gauche à toi. Parce que comme ça, tu seras plus en face du micro. Ok. Waouh, 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 je prends du dégât. Oh là là, il fait super mal. Du coup, j'ai un peu de mal. Balance ton 4. Ouais, le 4. Mince. Non, c'était 1, c'est pas le 1. Ah, mais en fait, il fait vraiment beaucoup de dégâts, quoi. Lui, c'est un boss, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est un gros boss, lui. On est. Rebalance ton 4. Il y a la marque. Et il est mort. Il est mort. Il y a un truc à ramasser au milieu. Juste un peu plus à gauche. Ah, ouais. Ah merde. Ah non, c'était un autre joueur qui est mort, d'accord. Fallait le ressusciter. D'accord. Mais il arrête. Ouais, du coup, ça, c'était un gros, gros boss. Qui a rien donné du don. Et finalement, on a pu voir qu'il était vachement plus coriace. Il faisait beaucoup, beaucoup de dégâts. Hein. C'était oui. Plus. Il y a des plus sortes de boss comme ça qui traînent dans les différentes régions et que faudra forcément t'associer à d'autres joueurs pour. Ça, c'est bien, tu vois. Pour le coup. Tu vois, c'est ce que nous, on se plaignait la dernière fois. Oui, là, que ouais. C'était hyper facile. Ouais, c'est quoi ce délire? C'est des boss, en fait, on les pétait en deux jours. Ouais, bah. C'est ça. Et du coup, on se fait défoncer en même temps, nous. Voilà. C'est ça qui est abusé. Bon, alors attends, les toi quêtes. Qui t'es fait défoncer. Hein. Ouais, bon, hein, c'est bon. Oh, j'ai jamais dit que j'étais un pro, hein. Attention, hein. J'ai jamais dit que je savais jouer, mais c'est surtout là, c'est que ça me perturbe la souris, en fait. Parce que c'est la caméra qui est un peu chaude à gérer, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Alors plus sensible ou moins sensible? Non mais je sais pas parce qu'en fait quand je me déplace sur les côtés ça bouge la caméra en même temps, résultat ça la bloque quand j'essaie de la bouger en même temps que avec la souris. Je comprends pas ton problème. Mais regarde, tu vois là je la bouge avec le clic gauche. Oui. Et tu vois voilà. Faudrait que tu la bouges avec le clic droit. Pour et quand je tourne en fait. Faudrait que tu fasses avec le clic droit. En fait quand je... Ah ouais d'accord. Mais oui. Ah d'accord. Mais oui. D'accord, bah c'est pour ça en fait. Oui. C'était pour ça, ok. Bon bah on a compris maintenant pourquoi je n'y arrivais pas. Ah voilà, bah tu vois. C'est exactement ça qu'il y avait ce matin. Ok, donc tu le vois truc est parti, il est en train de reconstruire ça. Non, il est en train de le détruire là pour le coup, parce que c'était pas le même symbole. Ah. À mon avis. Ou il est en train de l'améliorer. Ou il est en train de l'améliorer peut-être. Tu veux bien le prendre? Voilà. On va laisser de lui filer ses caisses comme ça sera fait. Faudrait qu'on aille jeter un œil aussi au marchand pour voir qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils proposent. Ils vendent rien d'intéressant pour l'instant. J'ai pour l'instant hier quand j'ai vendu. De toute façon, tout sera wipe alors. Oui. De toute façon, il faudra que tu vides ton inventaire. Ouais. C'est vrai. Puis tu vas pas ramasser des sacs à l'infini. Ouais. Hélas. Allez, on active plus qu'un dernier. On va pour une dernière caisse. Comme ça, cette quête sera faite. On va aller terminer toutes les quêtes de la zone. Enfin, de la. De la zone. Des quêtes disponibles quoi.
Voilà, juste ici. Et je vois qu'il y a plein de monde qui... Et qui porte des caisses aussi. Qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est marrant, hein. C'est... Là, à gauche par terre. Derrière le poteau. C'est vivant. C'est ça qui est énorme. Ah ouais, une caisse. Génial. Et je vois qu'il y a une grotte là-bas où... Ouais. Et la porte est fermée, non? Attends, on va juste aller voir... Juste jeter un petit coup d'œil. Ah non, c'est le plafond, en fait. Ah, je sens bien une... Ah, il y a une mine ouais, qui est en train de se faire. On ira voir juste après. Ah. On va faire ça. On va allumer ce truc. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, rien. C'est pour peut-être, quand il fait nuit. Peut-être la nuit... ça, ouais, je sais pas. La nuit, ça doit... Faire de l'éclairage. Peut-être. Non, mais si, enfin... Oui. Oui. Oui, oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on bug tous les deux, mais... Non. Non, non, mais oui, c'est normal, le jeu ralentit, mais pas sur le... D'accord, c'est pour ça que toi, tu bugs. Non, non, c'est juste parce qu'en fait, là, si tu veux, c'est... on croit que... En fait, ouais, parce que sur l'enregistrement, c'est fluide, mais moi, comme... à la base, tu vois, c'est censé tourner en 30 en 60 fps, ça fait ramer encore plus. Ouais. Pour nous, mais pas pour la vidéo. Mais c'est normal, hein, t'inquiète. On rame, ça, c'est parce qu'on est sur un MMO, quoi. Ok, donc, on va terminer cette quête. Voilà, donc Project Temor... Ah, mais justement, mais c'est ça, en fait. C'est cette quête-là. Donc, c'est on apporte des caisses pour améliorer cette chose. Ok, donc à chaque fois qu'il y a un des settlers qui va participer, ça va l'améliorer. Voilà, exactement. Intéressant. Intéressant, ouais, bah voilà. Donc ça participe aussi. J'aime bien comment ils ont intégré vraiment ce principe de colonie. Oui, bah oui. De colon. C'est un peu pour ça qu'on l'a choisi, cette vocation, pour voir un peu comment il fonctionne. Voilà, parce que c'est différent, exactement. Et c'est vrai que dans ce cas, c'est pas forcément un contenu instancié, c'est juste un contenu participatif. Voilà. Et tu peux refaire la mission en recollectant des caisses et en les ramenant là-bas. Voilà, pour réaméliorer encore une fois. Alors attends, du coup, ça je sais pas. Ah, je vais aller voir le type qui est là-bas. Ouais, en fait, dès qu'il commence à y avoir beaucoup de joueurs, ça rame un peu, quoi. Enfin, vous le voyez pas, mais nous, ça... Achievement! Génial. Oups, j'ai attaqué, j'ai pas fait exprès. Du coup... Ça, je sais pas, il faut... À 294 mètres, d'accord. Ça, je sais pas où il faut que j'aille. 770 mètres. Ouais, c'est assez loin. Et ici, 230. Ouais, il faut que j'aille dans la vallée, quoi, encore. Et ici, pareil. Bon, on va retourner dans la vallée, cette fois. Donc là, par contre, on va l'explorer. Ouais, enfin, ouais. On va aller voir là-bas, quoi. C'est marrant, ces cristaux, là. J'aime beaucoup l'endroit. Autant hier, on était dans un paysage... Glacial. Hiver, voilà, neige. Après avoir fait beaucoup de choses dans des vaisseaux. Voilà, on sait pas trop ce qu'on a foutu. Et non, on atterrit là. Je me souviens plus du tout de ce qu'on a fait en fait. Bah en fait, on était dans un vaisseau, dans une base spatiale, on s'est fait attaquer. On a atterri dans une zone, en fait, dans la zone glaciale justement. Et en essayant de repartir, on s'est fait attaquer par le Dominion. Parce qu'ils ont fait un gros stop, ils ont fait vous croyez que vous allez vous barrer? Bah non, c'est pas fini. Et on a dû cliner en fait un. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wow. Champignon. Ah d'accord, c'est un sport, je l'ai démonté. On va essayer juste d'aller choper lui. J'ai juste envie de tester avec la caméra. C'est le 4 avant de faire le 2. La caméra, ouais, le 4. Alors le 4 c'est où? Ah c'est... Wouah! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il t'a baissé ton armure. D'accord. Et voyez, ça aussi c'est bien fait. Quand vous chopez des debuffs, vous avez un gros... Quelque chose qui vous l'indique clairement. Bien sûr, après ça se met juste ici. Avec cette barre de personnage là que je fous ici. Non, quoique là c'est bien parce que. Beaucoup moins visible. Ouais, voilà, c'est ça. Là c'est plus simple. En même temps, tu peux regarder tes compétences en même temps. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Je vais regarder. Ah, ici. Ah oui, j'ai cliqué sur quoi? Je dois faire quoi? Attendez. C'était ok, je dois faire quoi? Use the ray gun on dominant analyst researcher and scientist. D'accord, non, en fait il s'est gouré. Ça? Ah! Waouh, 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 waouh! Oh, y'a un chou qui m'attaque là, il a pété un câble ou? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas trop. Putain, ils font beaucoup de dégâts alors là. Ils font énormément de dégâts. Hop, toi je t'ai chopé.
Ils font beaucoup de dégâts. Ah là, vous voyez, c'est vachement plus... Vachement plus dur. Oh putain. Oh putain. Là, là je suis dans la merde. C'est quoi les potions déjà? Ah ouais. Ils font énormément de dégâts. C'est vraiment... Après, en théorie, tu peux les tuer plus vite que prendre des dégâts. Ah, et en plus, t'as du contrôle, donc t'auras plus les stuns. Putain, t'en veux. Lui, je l'ai déboîté. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je saute comme ça, en fait? Ah, il est pas mort. Lui, il m'attaque à la... Mince. Ouah, mais en fait, c'est lui qui me balance, en fait. D'accord. Et ça me fait perdre des points de vie. Merde, c'est X. Non, c'est sur cooldown. C'est 5 minutes au cooldown. Là, je suis vraiment mal. J'ai plus de potions, je crois. Tu peux bouffer sur place, tu fais Alt 1. Ah non, c'est il y a du cooldown. Oui. En fait, là, je me fais vraiment démonter. Hein. Oui. Fais Alt 1. C'est Alt ? Alt 1. Alt 1. Ah oui, d'accord, pour bouffer. Ah ouais, génial. Bah oui, du coup, c'est les sandwichs qu'on avait récupérés. Et on les avait pas utilisés. Mam. Je peux pas voir. Ah si. Attends, j'ai quand même envie d'aller. Merde, ils m'ont chopé. Putain, mais sérieux, les gars, je vous ai rien fait. J'ai quand même envie d'aller démonter ces choix parce que là, ils m'ont cassé les burnes. Alors, essaye de les choper les deux en même temps. Ce serait vrai. Mais non, mais il te repère en fait. Le mago, il te chope, il te voit à 4 mètres. Ok, mais faut que tu le frappes hein, pour que ça s'active. Wouah! Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, active ça. Et du coup, je vais aller l'aider, lui. Ah, d'accord. Donc ça vous ramène... Ok. Ils peuvent vous ramener... ça, c'est bien aussi. Lui, il est un petit peu bugué. Allez, on va détruire les machines, machin. Et franchement, je suis étonné. Il n'y a pas beaucoup de latence, hein, quand même. On est sur les serveurs US. Parce que les serveurs européens sont pas encore... Mais pourquoi je saute comme ça? Je sais pas. Fais gaffe, ils sont deux. Attention, alors je regarde bien mes compétences. 2, 3, 1. Ah, j'ai fait le 2 avant. Ah, du coup, il y a un pote qui est venu m'aider. Eh, il a la classe. C'est un stalker aussi, double kill, magnifique. My blood run. Ouais, j'ai pas vu ce qu'il avait. C'est pas ça que tu travailles. Tu travailles le technical difficult. Putain, à la 5 mètres. Qu'est-ce qu'il y a à 5 mètres? Putain, ils ont vraiment la classe, hein. Vous voyez, en stalker. Oh, il a... Ah, lui... Lui il est classe, tu vois, il fait vraiment assassin. Oh, medic. Un healer. Vraiment l'effet des healers est excellent, il faut le dire. Graphiquement, ouais, ils sont graphiquement, il est vraiment très bien fait. Allez, hop, un petit settlers. Qu'est-ce que je dois faire résultat? Eh bien, il faut que tu redétruises des machines, il t'en manque une. Ouais. Ça à 4 mètres. Comment ça? Qu'est-ce qu'il me dit là? Elle a pas spawn, c'est tout. Ah, là-bas il y en a. Donc on va aller fighter dans cette zone là. Ok, le truc a littéralement disparu. Ok, essaye de désactiver la machine. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Attends, 2 secondes. Hop, je ramasse ça. Je sais qu'ils vont la péter. Hein. Ah merde, ouais. Oui. Flûte. Ben, je vais refaire le tour au pire. Oui. Je refais le tour, comme ça sera fait. Ouah, mais en fait... C'est l'espèce de... C'est ça, en fait. Non? Ouais, c'est ça, c'est cette merde, là. Mais du coup, ça fait perdre vachement de vie, je crois, non? Non. Oups, je me suis trompé. Ah! Barrez-vous! Oh, c'est vraiment dur, là. Ouah, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le gros boss qui est revenu. Ah ouais, ah bah tiens, ils sont en train d'essayer de le fighter. Bah je suppose que c'est une quête en fait, c'est pour ça que tout le monde se jette dessus. C'est possible. Putain mais, ça je te jure, ça me fait perdre de la vie en plus, cette connerie. Hein. Il y en a... On va récolter ça, on va attendre que la machine repop. On va choper tout ce qu'il nous faut. Mais c'est chiant ça par contre. Ouais, ça c'est, par contre, j'ai toujours trouvé ça un peu relou. Quand tu dois faire ça, quoi. Tu dois attendre à chaque fois que...
Est-ce que ça marche le sol? Waouh, il fait du dégât. Ah ouais, retourne pas sur la zone. 4. Ouh! Utilise pas assez ton crâne. Non. Oh, le dash n'est pas prêt. On va essayer de l'élever, ça va nous faire de l'XP. Level up, bah tiens. Premier lever. Ah bah voilà, bah c'était une mission. Ouais, fais gaffe en fait, puisque t'oublies toujours d'utiliser ta quatrième technique. Ma quatrième. Mais en fait, ouais, c'est le. Non, je l'ai utilisé. Elle est restée sans cooldown en très longtemps. Excusez-moi. Ah bah tiens, cool. Waouh, résultat, c'est moi qui. Il est mort lui. Voilà. Ok, du coup. Une quête de terminée. On va essayer d'aller faire les maraudeurs là. Les maraudeurs, je sais pas où c'est, tiens. Ça doit être au-dessus là. On va essayer de grimper. C'est. Ah bah tiens. Alors qu'est-ce qu'on prend? Assayant, Sight Module, 4 Assault Power, 6 Sight. C'est quoi Strike Through Rating? C'est de la pénétration. D'accord. C'est-à-dire que ça va ignorer de l'armure. On prend quoi? Le critique ou ça? Le crit. Le critique? Enfin, je sais pas, c'est toi qui vois. Allez, critique. Du coup, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à équiper? Uh-huh. Mais c'est quoi en fait? Et voilà. C'est une très bonne question. Fait H, je crois. Non, c'est pas H, c'est P. P? Ouais. D'accord. Ah, d'accord, c'est un. Voilà. C'est un gadget. Enfin, c'est un. C'est l'équivalent d'une boucle d'oreille ou. Non, c'est un weapon attachment. C'est-à-dire que c'est un truc que tu rajoutes sur ton arme. Ok, d'accord, c'est une espèce d'enchantement. Si tu veux. Enfin, en gros. Et ces bestioles sont vraiment pétées, hein. Style de gadget. Ah là là, bon, allez, on va monter par là. On a un symbole. Enfin, Settler. J'allais dire The Settler. Oui, mais c'est la ville où tu étais tout à l'heure. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut monter? Ouais, nos problèmes. C'est bien ça, on peut grimper toutes les surfaces comme ça. On pourrait croire que de. Que non, mais en fait, oui. On peut, c'est possible. C'est possible. On va aller choper peut-être un petit buff. Ah, c'est bien ça. Hop. Et voilà. Est-ce qu'on peut l'améliorer, nous, pour le coup? Non. En fait, c'est parce qu'il voulait pas. Guard outpost, je peux rajouter des gardes. Économie, security, quality of life. D'accord. Il y a tout qui est complet en fait, donc t'as besoin de rien. Ok, en fait, il y a trois critères, économie, sécurité, quality of life. C'est pour ça qu'on a le choix de poster des gardes, par exemple, pour améliorer la sécurité, la quality of life pour, par exemple, les buffs, ouais. Et l'économie. Je sais pas. L'économie, ça, pour l'instant, on n'est pas trop... On n'est pas informé à ce. On n'est pas informé. Déjà, vous voyez, des postes de garde. Alors, ici, des maraudeurs. C'est ça, le maraudeur? Non. Tactique. Maraudeur. Dead Star. Scrapper. Maraudeur. Ah, ça doit être dans cette zone. Lui ? Ouais. Ça, c'est les scrappers, c'est pas des maraudeurs. Ah, bah voilà, c'est ça, les mecs, le mec martien qu'il y a dans la vidéo. Et qui se fait défoncer. C'est possible. Ouais, c'est ça. Ah, bah voilà. C'est ça ? C'est pas un Brawler. Du coup, alors la 4 avant. 4, 2, 3, 4. Donc j'ai démonté. Ah, il y a un challenge qui commence d'ailleurs. Oui, c'est. Mais les brawlers. Mais je vois pas de maraudeurs. Il y a des quêtes là-bas à faire. Ouh, il y a plein de quêtes. Faut que tu tues tout ce qui traîne dans la zone pour le défi de toute façon. Ah, oui, d'accord. Non, ça c'était un familier, j'ai l'impression. Tout a été démonté en fait. Eh oui, ils sont déjà tous passés par là, les mecs. Tu pourrais dire, c'est génial, j'ai plus rien à faire. Sauf que j'ai plus rien à faire. Eh non, c'est qu'à 3% là. Oh, c'est génial. Le healer fait vraiment beaucoup de dégâts. Est-ce que le stuff, tu crois, il est partagé directement? Ou alors c'est le premier qui met... le premier qui met la touche V pour ramasser tout, qui chope. C'est instancié, le stuff. C'est instancié, ça c'est cool. Les loots sont instanciés. Ça c'est cool parce que ça évite bien sûr que les. Vous avez chacun vos loot sur la même.
Ouais, non, ce serait un peu le bordel, je trouve, je pense. Comme sur Guild Wars. Ouais. Ah, open. Qu'est-ce que, qu'est-ce donc? Ah. Qu'est-ce que c'est là? Intéressant, en première vue. C'est génial, ça nous permet d'avoir un buff. Alors qu'est-ce que c'est? Increase your maximum endurance by 150. C'est bien ça. Ma stamina est donc augmentée. Ah d'accord. Ok, mon... Donc mon dash régène beaucoup plus rapidement. Pas exactement, mais... D'accord, alors par contre eux je les déboîte. Ah si, bah voilà, c'était eux les scrappers. Mais en fait scrapper et marauder c'est pareil. D'accord. Ok. Du coup bah je vais me le faire. 4, 2... T'as déjà utilisé le 3 au cas. Non, en fait ils tapent avec leurs poings, on les déboîte. C'est un. Oh d'accord, je l'ai défoncé. Ok, bah du coup, bah on va faire ça. Ça c'est un truc qu'ils ont un peu plan... enfin ils se sont un peu plantés là-dessus, c'est-à-dire que quand t'as pas la ressource nécessaire pour utiliser une technique, ils te grisent pas la technique. Ouais. Ils la laissent comme si c'était normal. Et tu t'es encore planté, t'as fait le 3 en plus. Ouais. Et c'est chaud parce que les boutons justement ils... Le 1 il est pas enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le 1 il est pas en haut, il est Oui je vois ce que tu vois. Donc à chaque fois la technique, on vous le dit. Déjà j'ai du cooldown, faut que j'attende un petit peu. Le 4 on lui fout la marque. Ouais, le 2 le 2 ça lui fait du gros dégât puisque... Ah attendez, un petit tapet. Minor Gander. D'accord. J'ai une quête à faire, bon on ira la faire. Donc en fait c'est 4 2. Voilà, 4, on fait 2, comme ça, ça active la marque, ça fait du dégât. Ensuite, le 3 pour le stun. Bon, si jamais on l'OS pas, bien sûr. Voyez, ouais, on va faire la même chose. Par contre, j'ai pas mal de cooldown au niveau du stun. Essayez de le faire sur les deux. Je reste invisible. Le 4, merde. Ah, lui, eux, ils me repèrent, par contre. Tu peux placer les deux dans ton rayon pour le 4 et pour le... Ouais. En plus, là, ils sont tous les deux de dos. J'avoue, on va faire ça. Ah, lui, du coup, il s'est douté de... Attendez, 4. Mais vas-y, fonce dans le tas. Merde, attends, je vais juste attendre qu'il passe. Vas-y, passe. Il décale. Est-ce que ça marche? Ils sont tous les deux dedans. Hop, t'avances, tu balances le 2. Puisque ça part vite, hein. Non. Ah bah, ah d'accord, ok. Rebalance le 4. D'accord, en fait, je l'ai one shot l'autre. Pourtant, on aurait dit qu'il était beaucoup plus puissant. T'inquiète. 4-2. Pourquoi 3 il veut pas cooldown? Puisque 3 il veut pas. Ah non, d'accord. Ah lui il a l'air d'être un peu plus grand et un... Ah lui c'est un mage. Ah ouais. Ah ça c'est cool. L'attaque est d'abord à courte portée et se transforme ensuite grande portée, j'ai l'impression. Si je dis pas de, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas, j'étais plus concentré sur essayer de trouver le cooldown du 4 pour dire combien de fois tu le loupes. Peut-être. Oh le stun magnifique. Stun de zone. J'en chope un. Hop. C'est une technique gratos qui fait beaucoup de dégâts mais tu l'oublies à chaque fois. Laquelle? Le quatrième. La quoi? Ta quatrième technique, tu l'oublies à chaque fois. Ah la 4, ouais, effectivement. En combat tu la réutilises. Enfin tu la réutilises pas toi mais faudrait que tu la réutilises. Tu as 8 secondes de cooldown. Ah ouais. Le temps que tu fasses ton premier cycle, que tu balances un 1, tu peux déjà replacer un 4. Effectivement, ça fait du one shot, hein. Ça... On a pas capté. Je crois que c'est plus celui-là qu'il faut que tu tues. Ah, c'est vraiment épique, hein. Ça fait vraiment du dégât. Hop. L'esquive. Je l'ai déjà eu. Wouah. Challenge failed. Ah du coup j'ai fait la marque là, tu vois. Et on récupère pas mal de stuff, hein, mine de rien. Donc on va aller kill le lieutenant Prague. Ok, bah là je suppose que c'est un mini-boss. Par contre j'espère qu'il est pas... enfin qu'il met pas 30 ans à respawn. Et mine de rien on est pas mal là dans la zone, on est... Il y a pas mal de joueurs. Hein. Oui. C'est assez actif. Pour l'instant. C'est cool ça. Bon on va avancer, on va aller voir le lieutenant Crack. On va avancer en fufu. Il y a un livre à prendre, il y a ça. Attends, on va choper ça. Autant prendre. Il y a une base ici, je ne sais pas ce que c'est. Je collecte. D'accord, un autre livre. Red. Je
sais pas ce que ça fait, ça, exactement. Il y a des trucs cachés, ici. Est-ce que ça nous fait vraiment XP, c'est... Non, ça te fait pas XP. XP, non, mais pour la vocation, je veux dire. Une fois que tu utilises les ressources que t'as récoltées, oui. Ah oui, non, mais là, ce sont des ressources, d'accord. Voilà. Ok, et ça, on va pouvoir s'en servir pour les améliorer. Pour améliorer les... Hop. On récupère de l'argent. En plus, les pièces sont modélisées. Ça, un petit détail qui a sans doute aucune importance, mais que moi je trouve ça fun. Attention. Attends, la 4, c'est celle-là. Oh, le one shot. Ça, c'est du beau one shot. Magnifique. En plus, on est avec un autre. Ah non, c'est un ingénieur. Il y a pas mal d'ingénieurs. Hein. Pour l'instant, les magos, on les a pas vu. Les pas espères beaucoup. Non. C'est vrai. Après, moi, ce qui me perturbe toujours dans les jeux comme ça où il y a genre 6, 8 classes différentes, ouais, c'est que t'as toujours l'impression qu'il y en a une que tu vois jamais alors que tu les vois toutes. Ouais. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup, mais t'as quand même l'impression qu'il y a un petit manque, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que normalement, genre dans WoW, tu vas avoir l'impression qu'il y a une classe qui est pas du tout représentée, puisqu'il y en a quoi? Il y en a 11 maintenant. Ah, je sais pas du tout. C'est fou. Double kill. Petit double kill. La musique est très sympa aussi. Sur cette zone là. Donc, alors toi. Le petit stun qui fait pas mal de dégâts, même si. Bon, c'est pas. Attendez. Donc il est là-bas. Et voyez quand même que, mine de rien, ça fait pas mal de temps là que je tue du mob. Et j'ai pas gagné beaucoup d'XP. Donc vraiment, c'est la quête. C'est vraiment les quêtes là pour l'instant qui. Ouais. Oui. Qui permettent de. 47%. D'accord, il est là. C'est lui d'abord. Il vient de t'aider. Du coup, ils nous filent des ressources, là, si j'ai bien compris, les mecs, quand on les tue, ou... Je sais pas, d'ailleurs, ouais, j'ai un doute. Parce qu'à chaque fois, il y a le symbole pulsating. En fait, on reçoit des... Donc, lieutenant Prague, c'est où? Ah, ouais, d'accord. Donc, alors, lui, la marque, je n'oublie pas. Ah, bah, tiens, putain, j'ai filé le dernier coup. J'ai eu la chance. Ouais, un peu plus, et tu le loupais. Du coup, faut qu'on se retape les 800 mètres. On regarde sur ta map si t'as d'autres quêtes dans la zone. Comment on fait? M. Non, virgule. C'est quoi? Virgule. Comme si t'as un virgule. Alors, on zoom. Oui, tu vois que t'as beaucoup de quêtes encore. Ouais, dans la j'ai zone, des quêtes. Ah, ouais, ouais, y'en a. Ah, mais ça, c'est, je crois que c'est l'événement, je sais pas. D'accord, si donc dans ce cas, t'as le 1 un peu sur la droite quand tu vas avancer. Le 1. Non, le 1, c'est. Kiosque. Y'a quelque chose là-bas? Oui, effectivement, c'est quoi ça? C'est un coffre. Bah, va ouvrir le coffre. C'est un coffre. Un coffre ne demande qu'à être ouvert. Eh, vous voyez, il y a un mec qui a repéré aussi. Alors, va falloir double jump, déjà, ça c'est sûr. Ça va être compliqué, non, mais peux, là. Peut-être le choper d'ici avec un double jump. Il n'y a pas le sprint? Ah, avec ça. Non. Non. Ah, ça marche pas, ici. Eh, hey, il y a un coffre, là. Attends. C'est forcément lié à une quête, ça, c'est obligé. Y'a pas de sprint, donc? Je ne sais pas. J'ai un doute, je croyais qu'il y avait... Peut-être le dash, tu voulais dire, non? Non. Genre, tu gardes shift enfoncé, ça fait je ne sais pas. Écoute, c'est très étrange. Mais du coup, ouais, ça, c'est une quête. Ah, mais c'est ça, en fait, les points d'interrogation que tu voyais. D'exclamation. J'adore tous ces gros chiffres à l'écran. Oh là 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 là. T'en fous pas, hein. Ah, je sais, mais bon, moi, ben voilà, tu vois, c'est pas... Faut pas beaucoup, quoi. Pour, en termes de MMORPG, tu vois, mais... Faire les choses aussi simplement. Ouais, le 1. Le 1, ça? Ouais. D'accord, ok. Donc à droite. Ouais. Ok. Du coup, j'en profite pour ramasser absolument toutes les ressources possibles et inimaginables. Le 1, mais alors c'est dans cette zone. Tu crois? Click sur kill sketch. Oh, ah, oh bah non. Ça, non.
fais des skills. Ah eux c'est des... Waouh 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 waouh, mais en fait eux ils font du dégât là. Oui ils sont grave HL par rapport à eux, je crois. Non, et effectivement faut vraiment, comme non, tu dis... Non ils sont 8, T7. Faut vraiment utiliser la marque hein. Bah c'est... oui c'est une grande source de dégâts quoi. Bah si c'est eux qu'il faut que tu butes. Ah bah voilà. Un esper. Donc ça c'est un esper, il utilise des forces mystiques, vous voyez il lance des lames, ça c'est excellent je trouve. Des lames, des phoenix. Ça aussi c'est une touche d'humour. Un peu. Ah voilà des... Alors le 4, donc j'appuie sur le bouton 4. 2. Le 2. Et quand tu te retournes tu balances le 3. Et le stun. Ah tu t'es chié, t'as balancé le stun. Et après tac, on balance les attaques 4, de base, 4, on tourne. 4, 4, 4. Magnifique. Et je vais encore te passer sur le côté. Il m'en faut encore, je suis qu'à 45%, donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on reste en fufu. On attend qu'il y ait des skitch qui spawn. Ah bah voilà, eh, il y a qu'à demander. On va essayer de les prendre par derrière toujours. Le petit stun. Remets le signe, enfin le symbole de la marque. Ah mais la marque en fait elle... Elle a 8 secondes de cooldown, c'est à dire qu'une fois que t'as fait ton cycle 4, 2, 3, d'accord. 1, tu refais 4. Ah ok d'accord, donc 4, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. 4, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 4. Ok attends, je vais essayer de faire la technique, on va attendre qu'il y en ait 2, 2, 3 qui spawn encore. Donc alors d'abord on met bien sûr le 4. Attendez, faut que j'attende juste qu'il y en ait qui spawn. Mais passe en a... dessus, je veux voir s'il a un coup. Ah mais ils sont... Attends, ils sont là-bas. Eux. Qu'est-ce que tu voulais pardon? Passe par dessus la quatrième compétence, je veux voir si elle a un coup en énergie mystique ou je sais pas quoi. Celle-là? Ouais, marque à droite. Si, ça va te coûter 15 de ressources. Oh, ça va, c'est. Non, puisque je pensais qu'elle était gratos en fait. Mais c'est le truc, acceptable. C'est que je pense que le 2 est à 25. Ah, quand même. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit 4, 2, 3, 1, 4. D'accord. Tu peux pas juste rebalancer le 4 derrière le 3. Ok, alors là j'ai pas compris. The Skitch Gander Field finally found that all miner did it. Ah d'accord, c'est celui de la quête. Ah mais c'est notre ami Delay. Yeah. I wish I could. Et bien d'ailleurs, on commence à se faire un peu d'argent. Check ton inventaire, tu dois avoir chopé de l'équipement depuis tout à l'heure. Effectivement. Ouh, c'est cool. Alors. Ah, oh ça c'est... Putain, il m'a même pas vu le bougre. Ouais, c'est un problème ça d'ailleurs. Ah non, il y a 5 secondes de cooldown. Non, il y a 8. Oh, cette esquive. C'était beau. Ah bah tiens, un settler qui a... T'es en train de check ton inventaire. Super. Pardon, excuse-moi. Tu dois avoir de l'équipement équipé. Tu crois? Non, il y a rien, il y a rien qui brille. Tout le dernier truc, c'est quoi? Ça. Base level, c'est un improvement required to build a wide wind on your land. Voilà. Kit de construction, ça je crois. Non. Eh, hey, attends, mais tiens, je parlais de cycle. Non, wow, wow. Je parlais de cycle jour-nuit. C'est la nuit. Pourquoi je construirais une tornade? Je sais pas. Effectivement, c'est un peu. Attends, on va essayer de faire la quête là-bas. Mais t'as vu, c'est la nuit. Magnifique, c'est la première fois qu'on voit la nuit. Dans ce jeu. Du coup, tu vas peut-être pouvoir vérifier la théorie des lumières. Des lumières, ah peut-être, ouais. Bah, quand on retournera là-bas, du coup. Ah, mais tiens, c'est quoi? Sérieux, c'est quoi ça? C'est ça en fait. Je sais pas, c'est un buff. Oh, je sais pas, mais ça, c'est des choix. Oh, le stun qui fait mal. Il avait de la vie, lui. Du coup, lui, il a fait péter les machins, d'accord. C'est marrant, c'est... j'aime beaucoup, la lumière ressort beaucoup plus. Regarde ta map, voir où faut que t'ailles, ça se trouve. Effectivement. T'as plus rien à faire. Merde, je me gourre à chaque fois. Alors j'ai ici public events. Ah d'accord, les public events sont marqués, donc je dois aller dans cette zone là. Ok, ouais. Je suis le chemin. Ok, bah c'est parti, on va tout droit. Quand ça fait ça, profite-en, hein. Passe par-dessus un obstacle. Non, attends, et... ah oui, mais c'est chaud parce que je voulais récupérer ça. On va récupérer cette petite chose, écoute. Tu veux récupérer le choix? Tu veux l'amener à la maison? Ouais, ouais. Je sais pas, je sais... Merde, lui il m'a capté. Mais tu passes en camion. Wouah. Le truc c'est que ça te ralentit hein, de sauter aussi long. Ça fait que t'as besoin de monter puis de descendre avant de pouvoir avancer.
Hey! Ah, je trouve ça vraiment en classe quand t'es branché. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Attends. Faut pas que j'oublie de rester en fufu. Eh, les chouas, n'empêche, ils sont chauds là. Non, c'est pas ça. C'est là-bas. Voilà. C'est ici. Attends, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Dominion Resources. Ah non, c'est un chouas. D'accord. C'est le truc avec le cristal sur lequel il faut que tu cliques. Voilà. Ok, allez, on fonce. On utilise le dash. Pourquoi? Ça fait petite accélération. Ça, c'est peut-être un saut, pas un dash. Ok, alors, use the ray gun. Alors là, je sais pas ce... On va d'abord buter un petit peu toute la zone. Double kill. Ouah, il fait du dégât lui. Oh, c'est trop mignon quand il meurt. Ah, ok, donc c'est ça que je vais utiliser, non? J'en sais rien. Alors, lui m'a capté aussi. Attendez, qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois l'île faire? L'île descriptive de la quête. Juste de expert. Rygun. Il est peut-être dans ton inventaire, en tant qu'objet de quête. Rygun. Railgun. Ah, bah ça, je peux l'équiper par contre. Attends. Oui. Il me rajoute du shield. Il te rajoute deux. Donc oui. Je le mets. Oui. Allez hop. Ceci est équipé. Donc le ray gun c'est quoi? Eh ben j'en sais rien. Je te dis, regarde dans ton inventaire. Ça... Ah bah fais T. Qu'est-ce que je dois faire? T. Quand t'es au bon. Ah oui. T. Invite target group. Oui. C'est sur quoi que tu es censé utiliser? Je sais pas, use the ray gun on dominant analyst, research and scientist. Bah tu vises un des deux mecs du dominant. Ah ouais. D'accord. Faut que tu cliques dessus hein, pour le viser. Ou que tu fasses tab. D'accord. D'accord. Non mais oui c'est cool. Et après t'as un cooldown de 8 secondes. Wouah. Super comme attaque ça. J'aime beaucoup. D'accord, et donc là je dois les choper. Ouais. T'es... Ah lui, on peut pas lui. Donc c'est les, tous les petits choix que je dois choper. C'est juste qu'il y a un autre mec qui l'a fait avant toi. En fait. Tu crois? Oui. Les, ça, les analystes, les... Non, non, ça c'était une sentry. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Examine. Weapon of war. Ah, une quête. Ah, super. Ah, d'accord. Je viens de balancer une grenade? Non, tu viens de balancer le truc de la quête, t'as fêté. Ah, d'accord! Ok, d'accord. Tu lags ce soir dans ta tête, non? Ouais, je sais pas exactement ce que je fais en fait. Ouais, je vois ça, je vois ça. Attends, mais du coup, il y en a plus aucun, tout a été décimé, tout est génocidé! Et évidemment, il met 30 ans à respawn. Si on regarde sur ta minimap en droite, tu vois effectivement qu'il y a des mecs à droite. Là, ici. Bah dans la... Mais qu'est-ce? Attends. Ça. Non, d'accord. Faut que tu repères les points rouges. Ah, ils ont du shield aussi, eux. Oui, mais on s'en fout parce que tu les fais déconner. Non, il a pas raté rien. Ah si, il va rater. Pourquoi il rate? Mec, il se bouffe un stun. Oh, ça lui a fait mal le finish, non, là. Ah, du stuff. T'es full. Et je suis full. Alors, jette tout ce qui est à chier. Genre ça. Ça. Ça, on le balance. Ça vaut plus cher que d'autres merdes que t'as dans ton inventaire. Ouais, j'avoue. Ça, par ça, exemple. Ça, tu le balances. C'est quoi le petit marteau? Du coup, j'ai chopé des bottes qui sont merdiques aussi. Tu veux bien arrêter de. Oui, t'as réduit tes dégâts. Ah, bah d'accord, ok. Alors, si, forcément, si personne me laisse finir, bon. Hein. T'aurais dû faire T d'ailleurs pour lui balancer un truc dessus. Oui, effectivement, j'y ai pas pensé. Du coup, lui là. Alors, lui. Oui, donc c'est bien des ressources qu'on récupère. Hein. Ah, il y a des bâcheurs.
Lui, on va le choper. T'as raison, en fait, hein, faut pas que tu le tiens sur le T. D'accord. T'as pas besoin de le tuer. Ah, bah là-bas. Non, pas le bâcheur, l'autre. Je me suis chié. D'accord. Oui, ok, en fait, si. T'as deux quêtes différentes. Et T, visiblement, ce serait pas. Enfin, ça s'adapte à la cible que t'as. Ça utilise l'objet de quête approprié pour cette oui, cible par c'est rapport ça. À ta quête. Oui, c'est ça. Oui, oui, bah oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, peu importe lequel tu cibles, faut que tu fasses terre. Ouais. Oh. Donc là, tu switch, tu fais T sur l'autre. Ouais, exactement. Tu peux faire tab en théorie. Hein, pour ah, oui, oui. Alors, lui, je vais démonter. Faudrait. Ah, un froc. T'es encore full. Je suis encore full. Mais du coup, ces bottes-là, elles sont moisies. Mais elles sont chères. Ça, ça sert à rien par contre. Oui. Je vois un truc. C'est quoi le petit marteau en bas à gauche de ton inventaire? C'est pas un truc genre recyclé ou réparé? Click open to trade skill bag. Non, ça a strictement rien à voir. D'accord. Mais ça, c'est qu'à côté. Faudrait que. Bah, justement, c'est pour ça qu'on aurait dû aller voir un marchand. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. D'accord, et on n'arrête pas de récupérer des ressources en fait. Ouais. D'accord. Attends, lui on va le choper déjà. Ah. Ok, donc une quête de fête. Hop. Toi, c'est fun. Level up. Génial, on est niveau 8. GG. Ça, c'est bon ça. Waouh, en fait ils sont deux. Ah non, j'ai plus d'objets de quête. Ah! J'ai une quête, bonjour. Ah yes! Ça, ce qui est cool, c'est que ça tu sais, ça fait des dégâts. Mais en plus de ça, ça. En plus de ça, tu vois, ça soigne si les alliés passent dedans. De quoi? Mais les healers. Ah oui. Ça, je trouve ça génial. Scientifique. Ah oui, scientifique. Ah bah tiens. Ouais, j'ai pas compris ce qu'il a fait lui. Ok, donc on a trois quêtes de fini. C'est... Super. Sergent machin. Ah, oh, du coup on doit tous retaper. Attends. Vérifie quand même que Brightland se... Ah non, d'accord. Oui, non. Ouais, donc on doit tous retaper. Ouais. Bon, bah c'est parti. On va se faire ça, résultat, et... Y'a pas genre un truc pour TP rapide ou quoi? Bah écoute, je sais pas. Bah, justement, si on en profite pour revenir, on va aller jeter un coup d'œil du côté des marchands. Pour voir si ils ont du stuff intéressant, des items du style par exemple des parchemins, enfin je dis parchemins mais des objets pour se téléporter plus rapidement dans des centres-villes. Style pierre de foyer ou parchemin. Voilà, ou dans des bases quoi, le plus proche possible. Histoire qu'on se fasse pas chier, c'est clair, à tout refaire. Et niveau, je sais pas, est-ce que tu sais s'il y a des. Au niveau des. Enfin, montures. Oui, il y a des montures. Moyen de locomotion, ouais, il y a des montures. Il y a des montures. De quel style véhicule, je suppose. Il y a des véhicules, il y a des animaux. Ça c'est cool. Que des terrestres pour l'instant, je crois. J'ai pas entendu parler de monture volante. D'accord. Ah. Mais c'est toujours une possibilité. Ok. Mais après, je pense que ça ruinerait un peu le principe de l'explorateur. Qui aurait plus besoin de se faire chier à sauter dans chaque endroit, à chercher, à fouiller et tout ça. Ouais. Si il aurait juste une monture volante, c'est hop, je décolle, je réatterris là où il faut et voilà. Ah ouais, ouais. Ça a un peu ruiné l'expérience de WoW. D'accord. Ou on ne prend plus le temps d'observer les décors. Ouais. Alors non. Et du coup là en fait j'activais un data cube géologique instantané qui va me filer une quête. Normalement. C'est exact. Je dis bien normalement. En théorie. Non, ou alors il m'a juste parlé. Geological strata. Ok, d'accord, en fait non, il m'a juste parlé. Bon, c'est génial. Ça doit marcher comme les livres que tu ramasses. Sûrement, ouais. Et nous avons des bestioles volantes. Tout à fait. Sympa. Que se dire que ceci. Peut-être pourrons-nous les avoir dans les Dans les montures. Absolument pas.
C'est une monture volante. Je viens de dire pas de monture volante. Ah, il n'y a pas de monture volante. Non. D'accord. Ouh, oui, non, d'accord. Ne te fais pas chier avec ça. C'est le même endroit où t'étais tout à l'heure. Oui, on a ramassé, c'est juste. Tu pensais que c'était quoi? Bah, je pensais que c'était un pack de trucs à récupérer, tu vois, genre des ressources de ouf bien stockées, mais non, c'est juste des défenses et. Non. Ah, bah tu vois, du coup, alors est-ce que le machin s'est amélioré là-bas? C'est une bonne question. Et du coup, tout s'est rééteint ici. Ouais! Donc au final, en fait, j'ai fait. Attends, on va refaire. Sors du stealth parce que tu vas à 20% moins vite. C'est vrai. T'as raison. Déjà, c'est... Ah ouais, ça c'est les caisses. Oui, on sait pas encore si ça a changé quelque chose. Ouais. Fais pas chier avec. Et est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça éclaire que dalle cette merde en fait. C'est hein. Nul. On s'est fait couiller, ça attire les moutons. Voilà. Non, c'est bizarre. Donc là, non, ça a rien changé. J'ai l'impression que c'est la même. Ouais, mais après, est-ce que c'est peut-être au niveau. Il y a un PNJ pour vider ton inventaire là-haut. Ah. Où ça? Bah en haut des escaliers, il y a un marchand. Ah, un marchand, oui, d'accord. Mais est-ce que... Bah du coup, on lui parle. Sir, alors, du coup, bah on lui vend tout, hein. Ça on s'en fout. Ouais, tu fais un clic droit dessus. Ouais, clic droit, ça on s'en fout. Oui. Tout ce qui est dans ton inventaire, tu t'en fous. Ça c'est quoi, stack count? C'est le nombre max que tu peux avoir. Ah ok, donc ça tu t'en fous. Par stack, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs fois ce nombre-là, mais ce sera plusieurs items. Je vends pas les potions, bien sûr. Je les garde. Ça, je vends. Ouh, y'a des trucs qui se revendent bien. Hein. Oh, t'as un PO. Un PO. Bravo. Ça, je le garde aussi. Non. Si, c'est ça, parce que c'est. C'est quoi? Je sais pas, tu pourras construire un truc. Ouais, je sais pas. Oui, tu peux construire une tornade. Une tornade, je peux construire une tornade. Très intéressant. Oui. Visiblement, on le garde ou pas? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un cyclone, mais j'en sais rien. Je bon, du coup, on le garde, allez hop. Mais ça vaut beaucoup. Bon, bah, allez hop, c'est bon. Au pire, c'est bêta fermé, hein, donc. Enfin, c'est la bêta, quoi. Ouais, j'avoue, je m'en fous, tout sera. Repair! Ah, faut réparer! Oui, quand tu meurs, ça abîme ton équipement. Quand tu d'accord, c'est coups, à la haut. Ça abîme légèrement ton équipement. C'est à la haut, d'accord. C'est à la prête. Repair, all. Est-ce que, du coup, elle a des trucs intéressants à vendre? Non, pas. Bah, du coup, non. Ah, si. Ouais, enfin, non, ça c'est... on s'en fout, vu que ça rajoute juste de. Ouais, ça retire pour ajouter les. Ça. Ça, je vois pas trop l'intérêt. T'en as pas. Prends-le. T'en as aucun. D'accord. Oui, lâche-le. Lequel? Le dernier. T'en as pas d'équipé. C'est quoi? C'est un implant. C'est comme un bijou. Ah, voilà. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc ça, si je le prends. Tu l'équipes. Ça, pourquoi je l'ai pas vendu, ça? Ah! D'accord. Alors, est-ce qu'il est mieux? Alors, showmax. Capacity, brutality, soul power, oui, il est mieux puisqu'on est DPS. Create rating. Oui, si, monsieur. Ça, tu l'équipes, toi qui l'arrives. Ah, bah, du coup, ça nous a. Ah, attends, j'ai pas. Il est où l'implant? Je comprends rien. Je sais pas. Il est plus haut, c'est pour ça. Ah, il est plus haut. Ouais. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, ça, c'est carrément pourri, je vais le revendre. Je peux pas le revendre, c'est du stuff de début, je crois. T'as raison. Donc, du coup, ça je l'ai équipé. Ouais. Et ça, est-ce que je l'équipe celui-là alors? Oui. Pourquoi vas-y. Pas? Ouais. Allez. Bah, du coup, c'est je peux en vendre. Like. Celle, je vais vendre. Je peux pas vendre les armes, d'accord. Tu peux vendre le shield generator. Ouais, effectivement. Le field. Voilà, bon, ça suffit, on a déjà le... Donc, on va déjà aller rendre toutes les quêtes. Ah, mais bah, je peux le faire directement. Ah, super. Du coup, on a des nouvelles griffes. Qui sont tout en haut. Ça, c'est quoi? Et elles sont où, les griffes? Si je fais ça... Ah, attends. Hein? Oui, garde celle que t'as sur. Ouais, celle que j'ai, ouais. C'est des nouvelles, c'est pas ce qui me semblait. Ah, elles sont pas mal. Franchement. Sors. Et regardez-moi ce ciel. Sortez pas... greffe. C'est pas beau. W. Non, c'est. Ah oui, on l'a pas changé, c'est vrai. C'est beau, hein. Ils sont classe, hein.
Elles sont vraiment classe. Ouais. Faut le dire, elles sont. Elles rocks du poney. Elles rocks du poney. Donc on va aller parler au Geiss qui est là-bas. On va aller parler à lui qui, à mon avis, va nous dire d'aller dans la grotte. Elle, pardon. Lui. Le Vioc. Sa tête est un tout petit peu disproportionnée par rapport à son corps. Il nous file deux quêtes en plus. Super, ça nous fait de quoi avancer. Bah tiens, lui aussi du coup. Oh là là, on commence à avoir des quêtes pas mal. Attends, alors déjà, on va aller parler à ce monsieur. Il y en a un autre à gauche. Allez, die. Alors, on prend lequel? Lui, il est moins bien. Lui, il est pas mal puisque pénétration, critical hit. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut. Et lui. Ah, lui, attends. Alors lui, c'est fitness et lui, c'est moxie. Alors, qu'est-ce que le moxie? La moxie, écoute, je ne sais pas du tout. Moi non plus. Eh bien, prends-le, parce qu'on sait rien du tout de ce à quoi ça sert. Et encore une mission. Quand tu sais pas, c'est toujours bien. C'est pas vrai. C'est mais pas on va vrai. Dire que oui. C'est pas vrai, mais on va dire que oui. Du coup, je l'équipe. Ouais. Ok. Et du coup, t'as acheté l'autre pour rien. C'est cool, hein. C'est pas grave, on a largement... On a un PO, quasiment deux, quoi. Ouais. Pour te dire... Il y avait une quête derrière toi à valider. Ouais. À valider oui. Ah oui, effectivement. Ah, tu as l'œil, très cher. Là je vais en prendre une. Je vais en prendre deux. Waouh, voilà, alors là c'est la foire des quêtes. Attendez, on va tout. Du coup, tu veux qu'on switch maintenant? Ça fait une heure de vidéo. Rends les deux quêtes que t'as fini et voilà. Ah ouais, carrément. Je te file tout. Quelques ce qu'ils vont aussi. Ouais, attends deux secondes. Je vais d'abord aller. Ouais, non, t'as raison. On va voir ça. Alors lui il vend que de la bouffe et, non, un peu et de l'équipement. De l'équipement. Ah ouais, pas mal. Oui, de l'équipement. Et en plus pas très cher hein, finalement. Effectivement. Du coup je peux lui vendre des conneries moi, genre ça. Oui. Et l'autre truc que t'as acheté à l'OPM. Ah ça. Effectivement. Donc voyons voir les gants. Ça me baisse l'armure effectivement. Pas de ton sang. Moxie, celui-là il est pas. Ah, non, ça me baisse l'armure. Ça. Mais je comprends pas ce que c'est le Moxie. Mais visiblement c'est bon pour le crit. Ouais. Ces bottes là ont l'air pas mal déjà. Ouais, bah faut que du plus hein. Donc allez hop. Et le reste on peut pas acheter. Ah si, on peut acheter ça. C'est on rajoute du slot. C'est quoi le dernier truc? Colorful Orin Window. Ah bah ça c'est pour les baraques. C'est une décoration ça à mon avis. Pour le nice. Housing. Et du coup visuellement, c'est les mêmes bottes en fait, elles ont le même visuel. Ouais. D'accord. Ça c'est quoi? Craft unusable crafting prototype. Salvage to get item. Tu fais un clic droit dessus? Je sais pas, donc là j'expère. Tu peux plus? Il peut plus. Je sais pas. Attends, du coup je dois aller compléter notre quête. Je fais ça puis on switch. Ouais. Ça fait 1h08 de vidéo. Je couperai ça. Donc déjà, on en a 5. Normalement, vous aurez une semaine complète de Wildstar là, avec tout ce que j'ai fait. Ça tombe bien en plus parce que c'est la semaine du bac. Comme ça, j'ai tout tourné ce week-end. Tout à foutre. Et résultat, si jamais il y a un deuxième week-end bêta la semaine prochaine, là, ce sera l'occasion de... Ah, par contre, est-ce que les persos restent, justement? Je ne sais pas. Pour les week-end bêta. Je pense que oui, peut-être, non? Si tu connectes mon compte après, tu verras. Peut-être. On verra ça. Et du coup, là, on a 40 000 quêtes à faire. Tout à fait. 40 000 quêtes à faire. Mais tu vas voir qu'avec moi, ça va aller vite. 40 000 quêtes à faire. C'est du coup, bah voilà. Bon, bah, du coup, on va se laisser là pour la 6ème vidéo. Enfin, ouais, enfin 7ème. Non, 7ème là, puisqu'on 7ème, est, ouais. On est du côté de. Ouais. Donc voilà, on se rejoint après, puis on vous dit à la prochaine. Si jamais vous ne regardez pas. Tout à la suite. Tout à la suite, voilà. Donc, salut à tous et à tout de suite. Bye.